Je demande des excuses sincères à ma sœur chrétienne. C'est ton égal. Mets ton genou là-bas. Imbécile, mets ton genou. Oh, Gabriel, mais qu'est-ce qui se passe? Il est de faire les excuses depuis. Il tourne avec Aldo. Oh, Gabriel, tu peux pas mener un enfant à la brigade. Toi-même, tu commences à le corriger à l'entrée. Mais j'ai tout fait pour que tout aille bien. Il faut entrer, Gabriel. La brigade va s'en occuper. Voilà, c'est ça. Brigadier, la porte. Ces événements se déroulent entre 9h et 10h du matin. Oui, Gabriel, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à travers cette vidéo adresser mes excuses à mon grand frère Moustique, le charismatique, et à ma soeur, Marcel Kouetché Poupi. Pourquoi? Pour les propos malveillants, méprisants et injurieux dont a tenu Zizou et ses amis. Je comprends pas. Tu demandes les excuses alors que c'est pas toi le responsable. Poupi m'a appelé pour me dire, Gabriel, ton petit Ankenendem, il a posté mon nom. Retire ce poste. Et il a supprimé. Il a retiré le poste. Voilà, tu as bien fait. Et c'est quoi le problème maintenant? Lui, Zizou, est allé remettre le poste avec Aldo. Ah bon? Merde, il faut qu'il présente les excuses, hein. Voilà, c'est ça. Il demande de faire les excuses depuis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il tourne avec Aldo. C'est pas possible. Il est où ce Zizou? Le voilà. Il faut le filmer, je veux le voir. Il faut le filmer. Parce que vous montez dans les petites filles au quartier, vous ne pouvez plus vous humilier. Mais est-ce que tu l'as interpellé? Je lui ai dit que si il ne se met pas à genoux pour demander les excuses à Poupi et à Moustique, il est bien auprès de moi. Et je ne suis pas responsable de tous les problèmes qu'ils m'ont créés. Qui demande les excuses? Demande maintenant les excuses à Poupi. Commence à Poupi et tu demandes les excuses à Moustique. Voilà, c'est ça. Je demande les excuses sincères à ma soeur Kretchen. Mouf! À qui? Ma soeur Kretchen. C'est ton égal. C'est ton égal. On peut gifler quelqu'un comme ça? Comment je me suis entendu? Vraiment, c'est pas possible. Mais qui se met d'abord à genoux là-bas? Mets ton genou là-bas! Imbécile, mets ton genou! Amassé que c'est ton légal! Tu vas reprendre ça. C'est pas comme ça qu'on demande les excuses à ses aînés. Tu crois qu'il a fait le direct? Il dit que Poupi, Massé, taguez-moi Poupi, Massé, toi tu là. Hey! Tu mets les excuses à la grande soeur, c'est ton légal? Je demande les excuses à ma grande soeur, Massé, que tu Poupi, et à mon grand frère, Moussi, le charismatique. Pourquoi? Je vais d'avoir tenu des propos méprisants, injurés et vos saletés. Voilà ce qu'on attendait de toi depuis fiston. C'est simple comme bonjour. C'est clair. Mais Gabriel, tu n'avais pas à t'excuser pour ça, c'est pas toi le fautif. J'ai dit que s'ils ne font pas la vidéo d'excuse, c'est moi qui me mets à genoux demain la vidéo d'excuse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il part, il s'habille, porte la marque, soit humble, il met sur lui. Il met le call boss. Il appelle, il dit que c'est quoi qu'on demande les excuses à quelqu'un? Non, mais ça, c'est se moquer des gens. Vous moquez des gens, vous demandez les excuses. Mais. Bon, voilà, Gabriel, étant donné que c'est quand même ton bon petit, la brigade ne va pas le sanctionner. On va te laisser toi-même le soin de lui donner une punition. Voilà, c'est ça. Je lui ai dit qu'il a 2 semaines sans poster. Et il a arrêté de poster. Depuis, il ne fait que poster. Hey! Dès que tu ne postes pas, il ne fait que poster. Mais tu es trop fort. Tout ça, c'est le manga. Hein? Ah bon? Ça, c'est le manga. Avec les enfants de maintenant, c'est vraiment compliqué. Tu vas le ramener à la maison et le corriger là-bas. Ça, c'est le manga. Il s'agit de ça. Je vois que tu as aussi mentionné qu'il y a un autre enfant qui te casse les pieds là, c'est qui? J'ai dit qu'il y a Tic Dengue. Voilà, je savais. Qu'est-ce que lui, il a fait? Que des problèmes Pifo. C'est qui Pifo? Mon ami d'enfance, juste qu'il m'a bloqué partout. Mais est-ce que tu l'as interpellé? Il me voit flux. Mais. Il me voit flux chaque fois. Mais pourquoi il fait ça? Sa tête ne. Voilà, ok Gabriel. La brigade a pris acte de ce que l'enfant s'est excusé. Donc je crois qu'on va en arrêter là pour l'instant. Tu vas ramener le petit à la maison et le corriger. Voilà. Nous avons reçu une autre plainte de Majaki, hein? Qui se plaint de son fils Claudio Ndiala. Voilà, je savais. Donc, très prochainement, nous allons recevoir ici Majaki et son fils Claudio Ndiala. Voilà, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager dans tous les groupes. C'est ça qui nous donne la force de nous améliorer et de continuer à vous faire plaisir tous les jours. Ciao.